Si le livre Shining est avant tout une sorte de fantôme, l'œuvre de Kubrick met en avant une sorte de nouveau personnage, la folie. Et il va falloir maintenant revoir en quoi cette folie est au centre de l'œuvre de Kubrick. Ça va, connard. Très bien. Est-ce que tu t'amuses? Oui, tu pars. Bon. Je tiens beaucoup à ce que tu t'amuses. Je m'amuse. On voit au fil des séquences la folie progresser chez Jack Torrance. On pourrait y rajouter aux deux extraits la crise qu'il tape auprès de sa femme lorsqu'elle l'interrompt lorsqu'il écrit, ou encore d'autres. Cette folie s'accompagne d'une certaine dégradation physique rendue par un aspect de plus en plus négligé. Je dois être en train de perdre la raison. Non, tu vas voir, ça va aller. Allez, debout, ne restons pas par terre. Dani, qu'est-ce que t'as au cou? Dani, qu'est-ce que t'as au cou? Cette séquence du rêve, en quelque sorte rêve prémonitoire, est intéressante parce qu'on montre que d'abord, Jack voit sa folie progresser, il s'en rend compte et il a justement cette émotion, dernière émotion du père qui sent qu'il va faire une grosse bêtise, quoi. Et elle est aussi intéressante dans un deuxième point parce qu'elle précède la crise de Wendy contre son mari. Crise qui ne se comprend pas forcément immédiatement dans le montage européen, mais beaucoup mieux dans le montage américain.
Lloyd. C'est le désert ce soir ici. C'est exact, Monsieur Torrance. Qu'est-ce que ce sera ? D'une certaine façon, on peut considérer que la folie progresse en même temps chez Danny, sur le même rythme que chez Jack. Il y a une chose intéressante à noter, c'est les gestes. Les gestes faits par l'un et l'autre, le père et le fils, face à ça. Le fils cache son visage pour ne pas voir les horreurs et chasser les fantômes, en quelque sorte, ou les apparitions. Jack met ses mains devant son visage, et au contraire, lui, les invoque. Salut Lloyd. C'est le désert ce soir ici. C'est exact, Monsieur Torrance. Qu'est-ce que ce sera ? Je bois à 5 abominables mois d'abstinence et à tout l'irréparable mal qu'ils m'ont fait. Aussi longtemps que je vivrai, elle ne me laissera jamais oublier ce qui s'est passé. Je lui ai démoli le bras, d'accord, mais c'était un accident, absolument involontaire. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et il y a 3 bons dieux d'années de ça. Et le petit Jean Fontre avait jeté tous les cahiers de mes élèves par terre. Tout ce que je voulais, c'était leur remettre debout. Tu serais pas devenue folle, toi aussi? Non! Je t'assure, c'est la vérité, je te jure, Jacques. Danny me l'a dit. Il est entré dans une chambre au second. La porte était ouverte et il a vu cette espèce de cinglé dans la baignoire. Elle a essayé d'étrangler le petit. Cet enchaînement de séquences permet de mettre en avant certains éléments essentiels autour du passé de Jack. On sait qu'il a été alcoolique et qu'il a été violent, très probablement sous l'emprise de l'alcool. Ça permet d'éclairer l'histoire d'une autre façon, renforçant évidemment l'hypothèse de la folie pour expliquer les événements. Un alcoolique qui est soudain privé d'alcool souffre d'hallucinations dans le cadre du délirium tremens. Or, c'est ce que l'on voit avec Jack. Donc, on voit que la séquence est importante parce qu'elle pourrait éclairer tous les événements, renforçant l'hypothèse de la folie des personnages, et surtout de celui de Jack, mais préparant aussi l'hésitation sur la tonalité fantastique. Et la séquence se termine par « Tu ne serais pas devenu folle toi aussi », ce qui marque qu'il en est conscient. Donc en quoi la folie est au centre de l'œuvre ? La folie est au centre du film alors qu'elle est, comme je l'ai déjà dit, absente du roman. C'est ce qui permet d'expliquer l'enchaînement de certains événements. Jack Torrance, à cause du manque d'alcool et de l'isolement, commence à être gagné par un état d'abord dépressif, puis par des hallucinations. Les autres personnages le suivent dans cette folie générale, dans cette crise de délire.
Dans une certaine mesure, la steady caméra qui permet d'avoir un mouvement très fluide mais suivre très facilement les personnages permet justement de donner l'illusion que le spectateur suit le même chemin. Donc l'ambition de cette petite séquence sur Shining n'est pas de faire le panorama de toutes les interprétations possibles que l'on peut donner à ce film, de dépister tous les symboles et tous les sous-entendus de ce film, parce que c'est impossible, il y en a trop. L'objectif, c'est de présenter quelques éléments qui caractérisent ce film et qui, selon moi, et je souligne le selon moi, sont à la fois les plus évidentes et les plus importants à retenir.